Voilà, on est avec nos amis Vincent et Marc. Ceci fait suite au cours précédent, c'est-à-dire on a fait tourner une traditionnelle cadence blues ou rock'n'roll ou ce qu'on veut, 1, 4, 5. Et ici, on va la jouer en 12 mesures sur un accompagnement en sol. Alors j'en ai trouvé un. J'ai trouvé un backing track qui s'appelle Rock'n'roll Blues Backing Track in G, G. Pour G, G pour Sol. Voilà les 12 mesures. Donc Sol sur 4 mesures, Do sur 2 mesures, Sol sur 2 mesures, Ré sur 1 mesure, puis Do, puis Sol sur 2 mesures. C'est vraiment un traditionnel, hein. Donc on va tourner 2-3 fois là-dessus, mais bien marquer les premiers temps de chaque mesure, comme ça. En principe, on n'a pas besoin de compter, ça tombe naturellement sous les doigts. On est parti. 1, 2, 3, 4. Caméra, Marc m'a posé une question. Il me demandait pourquoi Sol sur la forme du Mi et pourquoi Do sur la forme du La. Ben en fait, ça correspond à ce qu'on a vu la fois dernière, c'est-à-dire c'est la 1, 3, c'est la quatrième phase de notre Kejit. Donc, quand on jouait en Do, la première phase se jouait, l'accord 1 se jouait sur la forme du Do et l'accord 4 se jouait sur la forme du Sol, du Mi, pardon. Et si on développe les phases du Kejit, on trouvait en deuxième position, en deuxième phase, on avait forme du La combinée avec forme du Ré. Troisième phase, on avait forme du Sol combinée avec la forme du Do. Et la quatrième phase, c'est celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est la forme du Mi combinée à forme du La. Et donc, quand on joue en tonalité de Sol, on a l'accord 1 sur la forme du Mi. L'accord 4 sur la forme du La et l'accord 5 sur la forme du La projeté, déplacé. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va préparer, je vais couper la caméra, on va préparer la suite, c'est-à-dire on va jouer cette grille-là, mais de 5 façons différentes. Ça va être un peu plus chaud, hein. Voilà.